Oui, bonjour mes frères. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Ok. Et dans les réseaux, ça va? J'espère que vous faites attention avec le coronavirus. Bien. Je viens par cette occasion vous présenter et vous parler de quelque chose qui nous touche particulièrement, nous en Afrique. Vous savez, mes frères, je ne vais pas vous mentir, la vie n'est pas facile chez nous. Dans tous les pays, l'Afrique noire, c'est pas facile. Tu vas à l'école, il n'y a pas de travail, tu fais. Bon. Je sais que parmi vous, nous sommes nombreux qui ont eu recours au maraboutage de l'Afrique de l'Ouest, précisément du Bénin. Quand on va parler de portefeuille magique, de vaudou et consorts, bon, c'est ce que nous on cherche le plus. Bon, je puisse vous assurer que moi aussi, ça m'a affecté beaucoup. Hein. J'ai eu à subir ces choses-là. Du moins, 3 fois déjà, j'ai été arnaqué. Mais bon, comme on dit, l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Et quand quelque chose est pour toi, ça arrivera tout comme fait. J'ai eu pour la première fois, les gars m'ont pris pratiquement 400 000 la première fois. La deuxième fois, ils m'ont pris 700 000. La troisième fois, il m'a pris jusqu'à 1 million. Et un argent que j'avais prêté même. Donc, j'ai eu la chance, comme ça, je me suis retrouvé au Bénin. Par la grâce, j'ai rencontré un monsieur qui fait dans du taxi. C'est lui qui m'a aidé. Et puis, on a pu interpeller le monsieur qui m'a fait ça, quoi. Mais on s'est rendu compte que c'était même pas un marabout et qu'on sort. Bon. Entre-temps, j'ai eu le monsieur, le taximan, lui-même m'a dit non, si tu voulais ça, il fallait. Il connaît quelqu'un de fiable dessus. Je vous assure, il m'a amené dans un village plus loin que Vormezam. Je vous assure, c'était pas facile, mais nous sommes arrivés, on a trouvé un papa là-bas. C'est un maître, Maître Dakar Pessénon. J'ai écrit son nom là. Comme vous voyez là, avec le numéro de téléphone. Parce que ce que je fais là actuellement, c'est un témoignage. Oui, selon notre contrat, quoi. Oui, parce que dans notre contrat, il plaît très bien que si son travail réussit, je n'ai qu'à lui faire un témoignage dans les réseaux. C'est pour ça que j'ai pris la peine de le faire actuellement. Comme vous allez voir là, comme ça, présentement, je suis dans mon véhicule. Vous allez voir, je suis dans mon véhicule, je suis à l'aise. Ça va. Si je dis ça va, ça veut dire que le réseau a marché. Oui, j'avais besoin d'argent. Je voulais l'argent. Vous n'ignorez pas comment le système est au cours. Donc, j'avais besoin d'aide, mon frère. Vous n'ignorez pas ça. Donc, c'est un peu comme ça. Mais quand je suis allé voir le maître, je n'avais pas les fonds sur moi, quoi. J'ai dû rentrer sur Yaoundé. Et m'a prêté. Quand j'ai eu l'argent, j'ai envoyé au maître. J'ai envoyé au maître. Parce que, bon, on avait déjà causé. Et puis, quand j'ai vu le vieux, c'est un vieux, il a pratiquement plus de 100 ans. J'ai envoyé l'argent. Il m'a envoyé mon matériel. Il m'a envoyé mon matériel de travail. Vraiment, quand il l'a envoyé même, j'ai cru que c'était la blague. Je suis allé à l'aéroport, j'ai récupéré l'appareil. Bon, j'ai récupéré le matériel. Bon. Et puis, on s'est appelé. Il m'a dit comment je devrais faire. Je préfère faire le témoignage devant vous pour vous montrer en fait exactement comment ça se passe. Actuellement, je suis dans la voiture et voici, vous allez voir, voici le porte-monnaie. Voici le porte-monnaie qu'il m'a envoyé, le porte-monnaie qui donne l'argent. Comme vous voyez, regardez, totalement vite. Je n'ai pas encore reçu l'argent journalier, je n'ai pas encore invoqué les esprits comme il m'a dit de faire. Ça, c'est la poudre qui me permet de faire certaines, qui me permet de faire mes invocations. Donc moi je vais commencer pour vous montrer, en fait comme je lui ai promis, je vais vous montrer un peu comment ça se passe quoi. Hein, donc c'est comme ça, comme vous voyez, j'ai introduit un peu la poudre de partout à l'intérieur, et puis je fais les incantations rituelles. J'invoque le Dieu de paix, le Dieu de stabilité, le Dieu de finances, le Dieu de bonté, de miséricorde, qui puisse me donner mon dû journalier. Bien.
il y a ceci. Bien. Il m'a aussi donné, vous allez voir, cette bouteille, comme vous voyez, c'est une bouteille de protection et de guérison. Je vous assure, hépatite, fièvre jaune, fièvre typhoïde, paludisme, insuffisance rénale, tout ça, je vous assure, ça brille, ça soigne totalement, rien ne reste sur toi, je vous assure. Le vieux est très fort. Je croyais qu'il blaguait. Quand ça arrivait, personne n'a plus de problème chez moi. On ne sait pas où je sors médicaments. Je ne pars pas à l'hôpital. Je gère ça comme ça là. Il m'a aussi envoyé ce savon. Vous voyez le savon? Le savon, c'est pour la protection. Vous savez, quand on fait ces choses-là, il faut se protéger. Donc, je me lave avec ça. Je prends ça et puis je vous assure, je suis... Ça va. Ça va très bien même. Bien. Comme on a commencé, je vais continuer. Allez voir si les gars ont... Ok. J'invoque encore qu'ils assurent, qu'ils protègent, Voilà, je fais ça en direct devant vous. Voilà. Vous avez vu? Regardez. Vous avez vu? C'est le CFA de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que ça fait. Souvent ça sort euro, souvent ça sort dollar. C'est bien. CFA euro, même c'est quelle qualité? C'est l'argent. Parce que vous savez, comme eux sont en Afrique de l'Ouest aussi, ça sort parfois comme ça. Hein? Mais ça change de tout le temps. Mais ça, c'est du vrai argent. C'est l'argent. Regardez. C'est 5 000. Regardez. C'est l'argent. C'est comme ça, 1,5 million. Chaque jour. Chaque jour, mon frère. Ce n'est pas la blague. Hein. Ce n'est pas le faux. Ce n'est pas le faux argent. Regardez bien l'étiquette, comment ça brille. Regardez bien le mot de CEMAC. Vous voyez, non? Ça brille bien. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas le faux. Regardez sur tous les biais. Ça brille. Ce n'est pas le faux biais. C'est le vrai agent. Mon frère, si tu veux, tu prends compte. Si tu veux, tu ne prends pas compte. Mais je te t'exhorte à prendre compte. Mon frère, on ne va pas souffrir. On ne va pas souffrir pendant que les autres mangent. Voici encore le numéro du maître. Regarde bien. Le plus 229, 66, 86, 70, 90, 65. Je répète, plus 229, 66, 86, 90, 65. Eh, Seigneur, l'argent est beau. Et on dit que... Ok, c'est bon. Merci bien. Bonne journée à vous, mes frères.